À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois que il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Oui, Nguesso. neutraliser Denis Sassou D'une Nguesso manière ou pour d'une que autre. l'élection n'ait pas lieu. L'État ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées.
Bonjour à vous, peuple congolais. Congolais avec K. Bon, je crois que vous avez tous vu la manipulation de cette organisation africaine qui est dirigée aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Ils étaient tous là, hein, ils étaient tous là, à Brazzaville. Brazzaville, comme vous connaissez, c'est la capitale de la France libre, pour assister au dictateur Mbochi, hein, au dictateur Mbochi, qui a usurpé encore une victoire, hein, pour ceux qui sont allés voter à l'élection de Mbochi. Et ça, c'était dit, ça c'était clair. Que c'est ce qui devait se passer, hein, comme nous l'avons déjà prédit. Il devait y avoir ce scénario, comme d'habitude, et ce scénario, nous l'avons encore vu. Mais ce qui est curieux, hein, c'est de juste à savoir combien a-t-il dépensé, hein, pour faire venir tous ces pantins, des marionnettes, qui servent les intérêts extérieurs, hein, par rapport aux intérêts de leur pays. Combien a-t-il dépensé? Ce que vous devez comprendre, c'est que, comme déjà il était illégitime et illégal, hein, il ne pouvait que mettre en marche les 30 000 milliards des fonds du Sud-Congo dont il a usurpé, hein, parce que la plus grande richesse revient du sud du Congo, les 30 000 milliards pour faire venir ces pantins, ces marionnettes africaines qui représentent aujourd'hui le véritable goulot d'étranglement pour la jeunesse africaine et pour leur pays. Hein. Mais ça ne pouvait qu'être de cette façon. Ils étaient quasiment tous là. Hein, ils étaient quasiment tous là. Je vais simplement essayer de regarder. Donc on peut simplement dire que c'est l'Union africaine de la dictature. Hein, l'Union africaine de la dictature qui est donc partie essayer de légitimer un gars qui est totalement illégitime. Ça faisait partie de la technique. Il fallait chercher à lui donner une certaine légitimité, hein, en faisant venir des marionnettes déjà qui sont eux-mêmes haïs dans leur peuple, par leur peuple, ou dans leurs états. Donc, vous remarquerez avec nous, si vous regardez cette pourriture de l'Union africaine, vous allez constater ils étaient quasiment 19 là-bas. Et ça démontre. Et ça vient quoi? Ça vient garantir les PCT, ça vient garantir les Mbochi. Hein. Là, les Mbochi, on pense que ceux qui sont venus là sont venus les supporter. Mais c'est une erreur très grave. Souvenez-vous, Sarkozy a reçu Kadhafi, hein, avant d'aller bombarder la Libye et donc autoriser à l'assassinat de Kadhafi. Ouais, chers amis. Ils étaient quasiment 19. Celui de la Guinée-Bissau, Sissoko Embalo, n'en parlons plus. Avec Sissoko Embalo, Sissoko Embalo, c'est devenu l'amant de Claudia, donc de la fille de Sassou. Donc, Sissoko Embalo se partage Claudia avec Sassou lui-même. Hein. Bon, avec Sissoko Embalo, il n'y a pas que l'affaire de Claudia, mais il y a aussi le blanchiment des fonds. Hein. Des fonds du Congo au niveau de la Guinée-Bissau. Mais il y a aussi la drogue avec Sissoko Embalo. Hein, parce que Pointe-Noire, aujourd'hui, le port de Pointe-Noire est devenu une plateforme tournante de la drogue. Donc des cargos et des cargos de drogue rentrent par le port de Pointe-Noire pour après rejoindre le marché Moyen-Orient, le marché Europe, même marché des États-Unis. Donc, moi, je suis très convaincu que les agents de la DEA, hein, donc ce brigade américain et cette brigade américaine qui s'en occupe des affaires de drogue, ils sont bien informés qu'il y a un véritable trafic de drogue qui arrive au port de Pointe-Noire. Ouais, chers amis. Donc, c'est aussi le contact que l'amitié que Sassou Nguesso a eu à dérouler avec Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau.
Donc lui, ipso facto, il ne pouvait pas manquer parce que déjà même les fêtes d'anniversaire à Oyo, il participe toujours, il est toujours présent. Donc Sissoko Mbalo, c'est le bras droit parce que il le sort avec Claudia Sassou. Sassou Nguesso lui-même sort avec Claudia. Et Sissoko Mbalo, c'est aussi la drogue. Sissoko Mbalo, c'est aussi un membre qui est rentré dans les loges et dans les pratiques fétichistes des Mbochi. Comme d'ailleurs le Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui est venu donc chercher une protection par la loge de Sassou, par le biais des fétiches, des rituels, des sacrifices. Ouais, chers amis. Donc, Sissoko Mbalo, c'est sûr qu'il est sur une liste de la DEA, donc cette brigade des États-Unis qui s'en occupe du trafic de drogue. On est convaincu que l'amitié avec Sassou, c'est aussi le trafic de drogue avec Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire, géré par Bolloré, plateforme tournante de la drogue, comme déjà ça fut le port de Côte d'Ivoire avec ses autorités que vous connaissez. Bon, vous allez voir, Macky Sall, c'est connu, Macky Sall, c'est vraiment le poupou, on peut dire, de la France-Afrique. Il ne respire que la France-Afrique, il ne pense qu'aux intérêts étrangers. Macky Sall lui-même, il est haï dans son pays. On a vu avec l'affaire Sonko comment la jeunesse du Sénégal a réagi. Macky Sall, ça fait pas longtemps, il était encore à Brazzaville dans l'inauguration d'une université au nom du tyran des Doux, l'université qui est totalement dysfonctionnelle. Hein? Avec le docteur Abena là, c'est lui qui a vendu les installations de la faculté de sciences de Brazzaville. Ces installations de la faculté de sciences, ceux qui connaissent bien Brazzaville, la faculté de sciences se trouvait en face du marché Total. C'est à Bena là que ça soit mis à gérer l'université dysfonctionnelle qu'il a mis sur une montagne qui va se couler très bientôt. C'est à Bena qui a vendu les locaux de la faculté de sciences à la Guinée. On nous dit c'est la Guinée équatoriale qui a acheté ces endroits-là. Donc vous comprenez que quand vous faites affaire à des individus pareils, ce fameux Abena, rien ne marchera. C'est des voleurs. Abena, c'est aussi un Mbochi. C'est ça la réalité. Donc Macky Sall ne représente rien, c'est clair. Macky Sall, il est haï par son peuple. Et Macky Sall est à la recherche d'un troisième mandat. Il veut vouloir changer même la constitution, changer les textes du Sénégal pour se maintenir au pouvoir, toujours par les biais de la corruption, de la fraude, pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu l'affaire Sanko a secoué le Sénégal, ça fait pas longtemps. Donc, si vous avez des chefs d'État africains comme les Macky Sall, comme les Sassou, vous n'allez absolument rien obtenir de cette Afrique. C'est clair. Bon, on continue. Vous allez voir le Liberia. Weah, vous connaissez déjà les relations de George Weah et Sassou. George Weah, c'est un membre de la loge. George Weah a fait plusieurs voyages du côté d'Oyo. Mais à la différence avec les pays anglophones, c'est que le Liberia se construit. C'est ça la différence. Donc même si George Weah est venu l'assister par les relations qui le lient avec Sassou, parce qu'entre-temps, George Weah a eu aussi ses magots avec le tyran Sassou. Mais la mentalité des anglo-saxons, elle est totalement différente du connard, du médian comme Sassou. Bon, il faut aussi dire que George Weah, parce que George Weah a joué un peu à Paris Saint-Germain, donc il y a une connexion France-Afrique qui est là aussi. Ouais, c'est ça. Le Mali, c'est un pays carrément qui est totalement, on peut dire simplement instable, parce que là-bas il y a eu un coup d'État, et les Maliens eux-mêmes sont en train de chercher de se libérer. Donc celui du Mali qui était là, mais il faut dire que celui du Mali n'a jamais été voté par le peuple malien. Ce sont les militaires qui l'ont mis. Le Burkina, bon, vous comprenez que là nous faisons là
affaire au pays francophone, qui est sous la communauté, et dont Emmanuel Macron, qui est actuellement le locataire du palais d'Élysée, qui gère ces individus. Ouais, chers amis. Donc c'est bien normal que ces individus partent participer à la rencontre avec des gens comme les Sassou. Le Niger, c'est la même chose. Nous sommes là dans le contexte de la francophonie. Donc ces gens-là ne peuvent qu'accompagner Sassou. La Guinée-Conakry, avec Alpha Condé, et ça encore, vous ne pouvez pas bouder ça parce que Alpha Condé lui-même l'a déjà nommé Sassou empereur. Et lui-même, il est passé par un troisième mandat. Hein, dont nous connaissons le nombre de morts. Mais nous, là, nous sommes là, en plein système de la France-Afrique, des incompétents, des incapables, qui fracassent les économies de leur pays, qui vendent leur pays aux étrangers. Bien sûr, les États qui bénéficient au maximum, il s'agit des intérêts français. Oui, chers amis. Donc, Alpha Condé fait partie de cette pourriture qui brise l'évolution de la jeunesse africaine. Et c'est des gens qui ne vous parleront jamais d'une démocratie, parce que ces gens-là n'ont qu'une seule intention, c'est de mourir au pouvoir, sans pourtant en contrepartie changer ou apporter le véritable changement que leur peuple attend d'eux. Ouais, chers amis. La Côte d'Ivoire, bon, là encore, c'est un troisième mandat. Nous connaissons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Déjà deux premiers ministres qui venaient de mourir, le pays chaos, vendu aux intérêts français, un troisième mandat qui a emmené la mort de plusieurs Ivoiriens. Ouattara, c'est vraiment le pantin de la France. Et ce même Ouattara a aussi donné le grade d'empereur au Mobutu Sassou. Donc ce n'est que normal que nous avons vu ces individus-là aller à Brazzaville accompagner un fraudeur, parce que tout ce monde font partie des fraudeurs. Ils n'ont jamais été votés par leur peuple, ça c'est clair. C'est des gens qui changent les résultats. Ils ont leurs urnes spéciaux qu'ils apportent pour dépouiller. Ils se dépouillent même pas. Ils se décident simplement de se proclamer gagnant. Ouais, je sais. Donc Ouattara, c'est le pire que nous connaissons aujourd'hui. Celui-là même, lui-même déjà d'origine, des origines douteuses, burkinabé. Mais il s'identifie comme Ivoirien, il est en train de malmener les Ivoiriens aujourd'hui. Comme le cas chez nous, le Béninois Sassou est en train de malmener les vrais Congolais. Ouais, chers amis, ils ne peuvent que se serrer la main. Lui-là qui a envoyé le vrai fils de la Côte d'Ivoire, les vrais fils de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice. Lui-là qui a envoyé mon ami, j'aime appeler mon ami, Charles Blé Goudé. Ah, Charles Blé Goudé, à la CPI. Mais la justice vient toujours doucement, doucement, comme on le dit. La justice a triomphé. Donc, maintenant, que ferait Ouattara? Et Ouattara aussi se prépare à préparer son cadet pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et empêcher le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de rentrer dans leur pays d'origine. Vous voyez comment des étrangers nous envoient en exil forcé par le coup du Kalachnikov. Ouais, chers amis. Donc, avec des gens pareils, l'Afrique n'ira nulle part. Nous, les jeunes, on n'ira nulle part si nous ne buterons pas ces infiltrés hein, qui jouent le jeu du colon français que nous appelons la France-Afrique, donc le palais de l'Élysée. Mais ce qu'il pille ne bénéficie pas le français ordinaire. Ça bénéficie les élites politiques corrompues françaises. Ces élites politiques corrompues qui pillent l'Afrique avec de l'argent des mâles, des tueurs, des criminels avec les cravates, pilotés par cette cellule africaine qui est basée là au palais de l'Élysée. Bon, maintenant, la République démocratique du Congo, c'est quand même curieux. Le monsieur qui représente l'Union africaine se rend, mais c'est normal. Il est parti auprès de son parrain maçonnique qui est Sassou. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, c'est connu. Hein? Il est rentré dans les fétiches d'Nguesso pour une protection, parce qu'il s'agit ici de conserver le pouvoir.
Hein, c'est ça la réalité. C'est, nous, on pensait que Tshisekedi, en étant le représentant de l'Union africaine, devait au moins boycotter. Mais vous voyez que là, on accompagne. Alors Tshisekedi est bien conscient que même son peuple est en train de énormément critiquer Sassou, vu que c'était pas une élection. Il a tué même le gagnant même de cette élection que nous appelons Kolela Parfait-Guy. Mais dommage que Félix Tshisekedi s'est rendu. Alors c'est normal, il est parti auprès de son parrain. Mais c'est très dommage. Très dommage. La Mauritanie, ça encore, ne parlons pas. Le Ghana, Nana Akufo est parti là-bas parce que Sassou essaie de coller de l'amitié. Il essaie de se coller à l'amitié. Hein. Il sert l'amitié. Il force l'amitié. Parce que Nana Akufo, voté démocratiquement par le peuple du Ghana, il a forcé l'amitié d'aller assister. C'est donc certainement au nom du retour de l'ascenseur que Nana Akufo est venu. Nana Akufo est un anglo-saxon. Donc il ne va pas rentrer dans ces petits jeux de manipulation, voler et tout ça, moi chez eux. Ça, c'est vraiment de l'amitié forcée. Moi, je suis convaincu que si Nana Akufo est parti, c'est parce que les Nguesso ont aussi investi beaucoup des investissements des Nguesso au Ghana. Hein? Et ça qui fait qu'au nom de la réciprocité, vu qu'ils ont, investi beaucoup des capitaux volés au sud Congo, au Ghana, et ce qui fait que Nana Akufo est venu parce que tout est intérêt. Souvenez-vous que nous sommes dans un monde, tout est intérêt. Il n'y a rien pour rien. Si vous croyez que Dieu va descendre pour vous sauver, vous allez pourrir là. Dieu ne descendra jamais pour vous sauver. Parce qu'il a déjà mis l'intelligence dans la tête des hommes. Maïla Mantou, comme on dit. Hein? Dieu nous a déjà donné. Le temps de la manne est terminé. Il s'agit ici des accords. Il s'agit ici des contrats. Hein? Donc, si Nana Akufo vient, parce qu'il sait que la pourriture de Nguesso a apporté des capitaux chez lui. Donc, Nana Akufo, c'est un anglo-saxon. Un anglo-saxon, ce qui compte, c'est l'argent, c'est le business. You bring money, I'm gonna become your friend. If you don't bring money, you cannot become my friend. Ça, c'est typiquement les Britanniques. If you got something and I have interest on it, then we will become a good friend. A relationship will be built based on that interest. C'est ce que les anglophones disent. Donc c'est le monde du business. Les anglophones, c'est le business. Tu as quelque chose, nous venons te supporter. Tu n'as rien, nous ne venons pas te voir. Donc c'est comme un peu les George Weah. Ils sont là parce qu'il y a des investissements d'Engesso chez eux. C'est l'argent qu'on apporte. Quand vous emmenez l'argent, vous emmenez le capital, l'argent circule chez vous, ça crée des emplois, ça crée de la richesse chez vous. C'est ça la politique, le business. Hein? Donc, voilà pourquoi nous sommes là tout le temps en train d'expliquer à notre peuple du Sud Congo que nous sommes dans un monde de business. La prédation est liée au business. Hein? Il faut comprendre comment fonctionne la politique internationale. C'est un monde de business. Nana Akufo vient parce que c'est du business. Nana Akufo ne vient pas parce qu'il a la mort pour le dictateur Sassou, pour un criminel comme Sassou. Il n'a rien à foutre avec Sassou. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de compétences et d'intelligence. Il vient, c'est parce qu'il y a l'argent. L'argent du Congo a été investi au Ghana par les Nguesso. Donc il vient au nom de la loyauté. Ouais, chers amis. Bon. Le garde d'Éthiopie est aussi venu, c'est parce qu'il y a aussi des investissements des Nguesso à Éthiopie. Ils ont énormément investi notre argent à Éthiopie, en Éthiopie. Hein, chers amis. Donc tout ce monde-là, ils ne viennent pas par amour de Sassou. Ils n'ont rien à foutre avec le Mbossi. Un idiot, un bourricot, un barbare. Un zinza, ils n'ont rien à foutre avec ce type. Parce que ce type a mené le capital et le type a proposé l'argent pour venir assister. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Ces gens-là n'ont pas le temps à perdre. Pendant le coronavirus, qu'est-ce qu'ils viennent foutre à Brazzaville? C'est l'argent. Hein, tout est business. Donc s'ils vous disent qu'ils sont venus au nom de l'amour, le PCT va se tromper. Le PCT peut utiliser ça comme une machine, comme ils sont habitués à la propagande. Ils n'auront rien. Hein, ces gens-là sont venus, il s'agit de business. Des gens comme les Éthiopie, les Ghana, ils n'ont rien à foutre avec vous, les francophones. Ils viennent pour le business. Bon, l'Angola est venu juste parce que pour le bon voisinage. Mais l'Angola a une forte responsabilité parce que c'est l'Angola qui a installé Sassou au pouvoir chez nous. Ça peut plus se discuter. Donc le président Lorenzo est venu
au nom peut-être de bon voisinage, mais cela ne signifie pas qu'il y a une relation qui les lie, hein, d'amitié. Nous ne pensons pas. Hein? Donc, faut que notre peuple, parce que de toutes façons, l'Angola fait frontière au sud du Congo qui deviendra un État fédéral du sud du Congo, peut-être dans les jours à venir. Oui, ses amis. Donc l'Angola n'aura pas le choix, c'est de coopérer. L'Angola ne pourra plus jouer le jeu qu'il a joué avant, d'emmener les militaires angolais pour nous tuer au sud du Congo. Donc l'Angola a une grande part de responsabilité pour régler cette affaire-là. C'est ça la réalité. L'Angola a une très grande part de responsabilité pour régler cette affaire. Parce que c'est un crime contre l'humanité, l'Angola a eu à commettre. Parce que quand la justice va se rétablir dans ce pays, il y aura des poursuites énormes. Maintenant, il faut qu'on essaie de regarder comment régler cette affaire avec l'Angola. Hein? Ça, c'est très important. Bon, le Togo, c'est normal. Hein? Ça, nous sommes là dans le précaré France-Afrique, des dictateurs. C'est normal. Les Nguesso ont aussi beaucoup d'investissements là au Togo avec l'argent. Donc, Faure Gnassingbé, quand il vient supporter Sassou, c'est normal parce que lui-même, c'est un dictateur, un petit dictateur qui est issu d'un dictateur. Hein, vous voyez, chers amis. Donc, c'est au nom de la protection du système de la France-Afrique que ces soutiens viennent pour sauvegarder un homme qui a falsifié une élection qui n'a jamais existé. Vous voyez, chers amis. C'est les stratégies. Bon, les gens de Namibie sont venus parce que aussi c'est des investissements. Beaucoup des investissements des Nguesso en Namibie et en Afrique du Sud. Hein, ça, c'est clair. C'est au nom de, ces gens-là viennent au nom du business, de conserver leurs intérêts d'abord. C'est ça qui compte pour tous ces individus au niveau de leurs États. Bon, le Tchad, qui a envoyé ses représentants, je ne sais pas si c'était Déby lui-même sur, qui était là, c'est normal, si c'est Déby, c'est une dictature. Hein. Parce que lui-même, il est en train d'aller encore à un énième mandat, on peut le dire comme ça. Hein. Et donc là, nous sommes bien dans le système de la France. La Guinée équatoriale, ça encore n'en parlons plus. C'est le même système de la dictature, des régimes militaro-criminels hein, qui pillent les fonds de leurs États. Et c'est normal. La République centrafricaine, moi j'étais un peu sceptique. Mais moi, je pensais que la présence de la République centrafricaine a été stratégique. C'est juste une façon de dire, bon, nous sommes là pour le bon voisinage. Mais la République centrafricaine sait que le déstabilisateur de la République centrafricaine, c'est Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que, chers amis, ça, c'est rapidement que nous avons survolé ces affaires-là. Mais, peut-être que aussi que les gens la savent, que dans les jours qui viendront, il y aura quelque chose qui va se passer. Et donc, ils sont venus certainement pour une dernière fois voir ce type. Hein? C'est ça la réalité. Donc ça, c'est très important. Il était nécessaire, mais nous, on le considère comme un non-événement. Hein? Comme un non-événement, comme nous venons de le dire. Voilà. Comme on le considère comme un non-événement. Hein? Un non-événement pour nous. Comme vous le voyez, nous avons encore présenté la pétition est en ligne, signez la pétition. Maintenant, moi, j'aimerais rapidement un peu éclairer la lanterne. Signer la pétition ne signifie pas que vous nous donnez le pouvoir, comme certains sont en train de l'emmener pour essayer de boycotter la pétition, pour dire, oh, vous avez donné le pouvoir à BP. Vous ne nous avez pas donné le pouvoir. Vous ne m'avez pas donné le pouvoir. Vous ne m'avez pas donné votre argent. Vous ne me payez pas pour ça. Il faut que ça soit très clair. Il faut que notre peuple puisse comprendre bien ça. Vous me donnez le pouvoir par rapport à quoi? Vous m'avez donné un salaire dans ça. Vous payez mes factures. Vous payez mes enfants. Les écoles et tout. Vous payez ma vie. Non, vous ne payez pas ma vie. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est une question d'intérêt général. Il y a deux choses. Parce que vous devez savoir que y a deux camps en réalité qui s'opposent dans l'entité Congo. Hein. On peut simplement dire qu'aujourd'hui, cette entité, cette partie-là, il y a deux clans, il y a une classe
entre deux camps. Hein. Il y a ceux qui veulent, ceux qui ont pris leur souveraineté, hein, ceux qui ont reçu la souveraineté des terres, qu'il s'agit nos frères et sœurs de Luango, qui ont obtenu leur souveraineté le 7 juin 2020, par les biais des rois Tikayazinga Ier Makosa V, ou encore nous qui sommes dans les terres du Poule et des pays du Niari, donc ou encore du Poule, la Bouenza, le Niari et la Lokomo. Nous sommes devenus souverains depuis le 21 mars 2021. Donc, ce clan, ça représente un clan de la souveraineté. Et il n'y a pas des égaux là-bas, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Il ne faut pas que les gens se sentent lésés ici, là, hein, où les gens veulent vouloir nous mettre en porte-à-faux entre nous pour essayer de casser cette dynamique-là. Mais vous ne pourrez pas. Hein. Il ne faut pas que les gens se disent que, bon, oui, le pouvoir se retrouve entre les mains de BP, comme ils sont en train de me dire, comme les mots se disent pour Pessi Bokonzina Pongi. On ne sait pas quel est le pouvoir que vous avez donné à Pongi. Il va falloir que... vous avez même vu, même dans la pétition, nous avons changé l'appellation. Le Congo qui était avec C, Congo debout avec C, nous l'avons donc transformé en Congo avec K, Congo debout. Ouais, c'est une façon d'inclure l'ensemble des peuples du sud du Congo. Ouais, chers amis. Donc, ce clan qui regroupe les terres souveraines du sud du Congo, ces terres qui ont réinitialisé le temps, qui ont réinitialisé l'horloge, qui a eu sa souveraineté du point de vue légal, hein, du point de vue juridique, c'est consommé, c'est acté. Hein, du point de vue spirituel, c'est acté. Maintenant, il ne reste plus que la souveraineté de fait, c'est-à-dire ce qui est palpable. Ouais, chers amis. Maintenant, ce clan-là est déterminé à aller vers la Fédération Sud-Congo. Et ça, c'est irréversible. On ne peut plus jamais négocier ça pour revenir, pour dire non, on repart encore. Non, c'est totalement impossible. Donc, il faut que notre peuple comprenne le processus. Ouais, et puis, il y a le clan du Congo. Un est indivisible. Le Congo avec C. Un est indivisible. C'est ce clan-là que nous appelons le clan des débrasistes. Les débrasistes. Hein? C'est le clan qui est piloté par les Mboshi du point de vue local, qui est sous la gouverne des Mboshi. Et les Mboshi eux-mêmes sont sous la gouverne de président de la communauté, donc de la cellule africaine de l'Élysée. Ouais, chers amis. Et c'est ce clan qui exerce le pillage des ressources naturelles. C'est ce clan qui vole l'argent de l'entité Congo. C'est ce clan qui est en train de tuer les populations au sud du Congo à la vitesse grand V. Ouais, chers amis. C'est ce clan qui a commencé à vendre les terres du sud à l'exponentiel. Et c'est ce clan qui est déterminé de nous maintenir sous ce que nous appelons la colonisation intérieure au sud du Congo. Donc, c'est deux fractions qui s'opposent aujourd'hui. Il y a deux forces qui se sont levées. Ce clan des Mboshi, là, piloté par les débrasistes du Congo, un est indivisible, le Congo avec C, appuyé par la France, se bat contre le clan qui a pris sa souveraineté et qui est en train de travailler pour mettre en place la Fédération Sud-Congo, ce clan qui est en train de travailler pour mettre terme à l'esclavagisme mise en place par les Mboshi, mettre terme à la colonisation au sud du Congo. Vous voyez, chers amis. Maintenant, vous voyez qu'on a doublement le travail à faire. Nous qui sommes dans le clan qui travaille pour la Fédération Sud-Congo. Parce que nous avons deux types d'ennemis. Il y a les Mboshi et les débrasistes. Et il y a les Français. Donc la France-Afrique, la cellule africaine de l'Élysée. Donc, vous voyez que nous devons travailler doublement. Dans notre travail, il ne doit pas y avoir de failles. Hein? Tous les traites doivent être dénoncés pour garder la pureté de la lutte jusqu'à arriver à la victoire. Oui, chers amis.
Si nous ne travaillons pas durement, ça va être difficile d'arriver à l'objectif parce que les occupants sont nombreux, les occupants détiennent les 30 000 milliards des francs CFA de l'argent de l'entité Congo. Et une grande partie de cet argent, 95% de cet argent, revient du pillage du sud du Congo. Donc c'est notre argent que nous allons aller récupérer à un certain moment. Ouais, chers amis. Donc, il ne faut pas que nous rentrons dans la distraction, qu'on nous dise, vous avez remis le pouvoir à BP, vous avez remis le pouvoir à Congo debout. Quel pouvoir vous nous avez remis? On vous demande d'aller signer la pétition. Si vous êtes pour l'entité Congo avec K, le Sud Congo, dans la volonté manifeste de mettre en place la fédération, en ce moment-là, vous devez appuyer la pétition. Il ne devait plus avoir des polémiques. Oui, chers amis. Mais non, si vous êtes un débrasiste, hein, donc un manipulateur, bon, en ce moment-là, il faut aller rejoindre donc le Congo avec C, le Congo des Moshi. Oui, chers amis. Mais vous comprenez que même au sein de nous, qui sommes dans la démarche de mettre en place la fédération, il y a beaucoup de débrasistes qui sont camouflés là-bas comme des infiltrés. Qui nous attendent dans un corner, hein, dans un coin, pour bondir à un certain moment parce qu'ils veulent nous voir s'exploser. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas nous voir, moi, Mika Yapongi de l'Odima, Mika Yapongi 7 de l'Odima, être en relation avec Sa Majesté Tikaya Zinga 1er de Luango ou Sa Majesté Makoso 5 de Luango. Parce que leur seule intention, c'est de casser l'axe ancestral, là où nous nous sommes levés, Luango, Ludima et Kinkala. Ouais, chers amis. Donc, à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut que nous travaillons dans un dynamisme plus élevé, plus fort. Ouais, chers amis. Et tous, nous devons appeler à soutenir la pétition. Hein, parce que c'est là que nous devons savoir si nous avons voulu la libération ou non. Comme nous venons d'ailleurs de le dire quand nous étions en live avec le frère Edim tout à l'heure, on a dit, cette pétition, c'est un référendum. Ah, c'est ça, parce que vos votes au Congo, avec C, dans notre Congo avec C, ne sont pas comptés. Si ce n'est que le tyran des doux qui essaie de bondir ces chiffres. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur de savoir, ils ont peur que le monde puisse découvrir la vérité. Parce que quand nous aurons donc obtenu la souveraineté de fait, c'est-à-dire ce qu'on peut palper, on fera donc ce que nous appelons le recensement populaire pour démontrer au monde entier le nombre des populations Congo avec K que les Moshi, les débrasistes et la France a tué au sud du Congo. Le monde saura. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de camoufler, essayer de protéger, et ainsi de suite. De suite. Ouais. Donc, oui, nous sommes face à deux chemins en ce moment. On a le chemin de l'enfer et le chemin du paradis. Le chemin de l'enfer, c'est ce chemin qui va vous emmener à l'entité Congo avec C, là où le crime est institué au sommet, dont la constitution criminogène, les articles 10 et 96 de la Constitution du 25 octobre 2015, la Constitution des Moshi. C'est cette Constitution qui permet de toutefois venir tuer les poulets, les bembeyadou là, au sud du Congo. Maintenant, vous êtes là dans le chemin de l'enfer, le chemin du pillage, des dettes exponentielles à la puissance grand V, de la destruction des hôpitaux, des routes, la destruction des écoles, l'inexistence des emplois. Hein, ouais, chez eux. Donc, vous êtes dans le chemin de l'enfer, le chemin là où il n'y a pas une ouverture, zéro perspective d'avenir, hein, c'est clair. Ouais, chez eux. Maintenant, si vous décidez d'aller dans le chemin du paradis, sur le chemin de la pétition, qui est donc ce chemin qui nous permettra de mettre en place l'État fédéral sud Congo, la construction des écoles, parce que là, nous allons donc promouvoir ce que nous appelons
le fédéralisme démocratique où les raisons vont être les véritables machines. J'ai toujours dit, les régions seront des bulldozers économiques, hein, parce que nous allons bâtir ce pays à l'image du président Alphonse Massamba Déba, que moi j'ai toujours appelé comme étant le monstre, le bourreau même de l'industrialisation du Congo. C'est sur cet esprit du président Alphonse Massamba Déba que les régions vont demeurer des véritables bulldozers économiques, dont la génération des emplois, la transformation de produits sur place, qui va donc générer, créer beaucoup d'entrepreneurs, donc générer de l'emploi, donc générer de la richesse pour des régions. Ouais, chers amis. Où il y aura un fédéralisme, où il n'y aura pas un président, parce qu'un président demeure un tonneau de Danaïde, où les fonds rentrent par le haut, tout sort par le bas, ce que j'ai l'habitude d'appeler des trous noirs. Hein, parce qu'un trou noir, c'est une énergie physique qui avale tout, même une planète comme la Terre. Le trou noir à l'aval. Donc, vous comprenez avec nous que la fonction présidentielle au Congo demeure un véritable tonneau de Danaïde ou un véritable trou noir. L'Engesso demeure un véritable trou noir dans le pillage, la destruction économique. Voilà, chers amis. Donc, le chemin du paradis, c'est le chemin où il y a la lueur d'espoir, où les régions vont bâtir leurs hôpitaux, les régions vont construire les écoles, leurs universités, les routes inter-régionales seront construites à l'image de l'Amérique du Nord. Hein, c'est comme ça que j'ai toujours dit ça. On va importer ce qui fonctionne. Hein? Parce que chez nous ici, vous avez l'habitude que quand parfois je suis dans le véhicule, je filme, je mets les directs, c'est pour vous montrer la vision, ça s'appelle les boulevards économiques, pour faire rouler la marchandise à la vitesse grand V. Hein? Comme ça, le récepteur ou l'entrepreneur va couler sa marchandise et ça fait fonctionner l'économie. Ouais, chers amis. On va copier ce qui fonctionne. Mais ce modèle-là existe déjà dans plusieurs pays. Le Ghana, ça existe, ce modèle. Au Nigeria, ça existe. Même en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, ce modèle existe. Il n'y a que chez nous où ça cale, ça bloque. Hein, parce que nous avons un coupeur des têtes, un coupeur des ressources économiques, un tchabakal, comme on dit, tout tibakal, hein, quelqu'un qui aime toujours mettre les cales. Vous voyez, chers amis, donc, c'est très clair, mes chers amis, il ne s'agit pas ici de jouer à des égaux, mais il s'agit ici de préserver l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple du Sud, et ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Hein. Moi, je suis un ingénieur qualifié professionnel ici au Canada. Même quand ce Sud-Congo-là va se rétablir, je repartirai dans le domaine d'ingénierie pour former les cadres, donner de l'intelligence, créer, apporter. Nous serons certainement les cerveaux penseurs derrière ceux qui vont être les leaders des régions, hein, parce que moi je vais m'impliquer dans la Bouenza, parce que je suis de la Bouenza. Donc je serai un cerveau penseur derrière la Bouenza. Peut-être un cerveau penseur derrière les élites, parce que chaque région va élire quelques individus qui vont représenter cette région à l'international, comme un peu le gouvernement fédéral, hein, chers amis, géré par un représentant, le leader, par exemple un premier ministre, avec une présidence ou une fonction tournante dans chaque département. Ouais, chers amis. Donc, en ce moment-là, les notions de guerre, là, ça va finir. Les notions du tribalisme, là, ça va finir parce que ça va être réglé au niveau des régions. Chaque région est constituée de plusieurs groupes ethniques. Donc vous voyez que la région qui va jouer à l'idiotie, hein, d'aller chercher des gens au sein de leur clan, mais ces gens-là vont subir. Et il y aura véritablement un problème. Pourquoi? Parce que les régions intelligentes vont chercher des véritables élites, des visionnaires pour développer, hein, rapidement leur région. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la vision globale. Donc, j'aimerais ici mettre terme à cette polémique qui dit « La pétition, vous avez donné le pouvoir à BP. » En tout cas, nous sommes ici pour une question d'intérêt général. Hein? Une question d'intérêt général, c'est l'intérêt général de l'ensemble. Nombreux ont dit « Pourquoi vous ne nous avez pas associés ?» Mais, chers amis, nous sommes au sprint. Nous sommes ici au sprint. On ne peut pas toujours compter sur des individus.
Nous l'avons essayé quand nous avons travaillé dans plusieurs groupes, mais nous avons toujours buté le mur. Vous avez vu, hein, vous nous avez suivis pendant plusieurs années, nous avons toujours buté le mur. Toutefois, quand on voulait faire quelque chose, il y avait des égos personnels, des gens qui avaient l'intention manifeste de vouloir bloquer et nous maintenir dans ce statu quo. On ne sait pas la motivation, mais la motivation est connue. Il fallait préserver les privilèges de leurs parents qui se retrouvaient dans le système Sassou. Fallait privilégier leur propre père Diem parce que nombreux parmi nous au sein de la diaspora sont très joyeux de cette situation. Vu que ça perdure, ils vont continuer à percevoir leur père Diem, donc maintenir l'ensemble de nous dans ce goulot d'étranglement. Ouais, chers amis. Et donc, nous avons pensé que nous avons changé la méthode. La méthode. Vous voyez que ceux qui sont en Europe, aujourd'hui, sont en décalage de 6 heures avec nous, nous qui sommes en Amérique du Nord. Donc on essaie de trouver en connectant le tout ensemble, c'est-à-dire qu'en prenant, en essayant de trouver des temps entre nos emplois respectifs, les activités de nos membres de famille et les affaires du Congo. Ouais, chers amis. Donc nous travaillons quasiment plus de 3 fois, 4 fois ce que certains ne le font pas. Pendant que vous êtes en train de dormir, là par exemple, on venait là de finir une réunion avec tous les autres frères, Gervais, qui a fait 2 jours qui n'a pas dormi. Vous comprenez ça? Moi, j'ai fait 2 jours, je n'ai pas dormi. Et Dib aussi n'a pas fait 2 jours, n'a pas dormi. Donc nous avons travaillé pendant 2 jours à l'affilée. 2 jours suite pour mettre en place quelque chose. Voyez, chers amis. Donc, ce n'est pas facile. Et nous le faisons sur la base du volontariat. Oui, parfois, il y a des amis... qui nous assistent, hein. Par exemple Claude qui est un ami du lycée Chaména, je le vois parfois, de temps en temps il m'assiste, il me dit bon Bernard, pense à mets un peu de l'essence dans ton véhicule, voilà. Donc et ça Claude le fait de sa volonté, hein, de sa volonté, une question de nous soutenir, hein, de nous soutenir. Et voilà, donc comme on le dit, nous le faisons pour une question d'intérêt généralisé, une question de conserver nos cultures, une question de pouvoir sauvegarder nos terres. On ne peut pas vendre les terres aux étrangers. Totalement impossible. On ne peut pas. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez? Par exemple, ici, là où je vis, je suis le propriétaire de la maison, mais je ne suis pas le propriétaire de la terre. Hein? C'est clair. La terre appartient à la ville. Parce que moi, je paye les taxes de propriété sur cette terre-là que ma maison se retrouve. Vous voyez, chers amis? Donc, oui, j'aimerais... arrêter cette polémique qui veut vouloir apporter des égos inutiles pour retarder l'évolution de cette pétition. Nous avons besoin de tout le monde, partout où tu te trouves. Tu te sens du côté de Kolela Parfegui, dont on a assassiné, dont nous avons brièvement expliqué, relayé, dénoncé. Tu dois signer la pétition. Parce que c'est une question d'intérêt général. Ouais, chers amis. Et une fois que les 500 000 signatures sont recueillis, on va voir avec un certain nombre d'intellectuels que nous allons embarquer, et nous aimerons ici même appeler des intellectuels comme les Alema Bankou, de venir soutenir la pétition. Soutenez la pétition parce que c'est une affaire du peuple du Sud, et vous êtes du Sud, de professeur Dongala. Soutenez la pétition. Nous appelons à tous nos intellectuels, hein, des ingénieurs congolais, des médecins, soutenez la pétition. Docteur Delene Goma, soutenez la pétition. Ça n'a rien à voir avec Pongi, ou c'est une question de nos peuples au Sud. Nous appelons tous les peuples du Sud, soutenez la pétition. Même à M. Boukadia, soutenez la pétition, parce que vous êtes tous du Sud, vous êtes du pôle. Oui, chers amis. Donc... on appelle même à certains politiciens qui sont au Congo, Paulin Makaya, que moi j'ai déjà beaucoup interpellé, j'ai dit tu ne trouveras pas ton compte dans le PCT ou dans le système de Mbossi, là-bas ils vont te tuer, ils vont t'empoisonner. La preuve en est que Kolela, il va être enterré, ouais, chers amis. Donc, soutenez la pétition, mobilisez les jeunes, mobilisez les mamans de expliquez aux mamans, emmenez vos téléphones portables auprès de mamans qui vont dans les marchés. Aidez les mamans. Et les mamans dans les quartiers, dans les maisons, dans les villages. Ça doit arriver. Expliquez aux mamans
Pourquoi vous êtes en train de le faire? Expliquez, signez la pétition. Normalement, si nous sommes pour la libération au sud du Congo, nous sommes pour le développement, pour le changement véritable, en 5 jours, nous allons déjà dépasser les 50 000. En 5 jours, nous allons déjà dépasser les 50 000. Mais là, on a l'impression, c'est comme si les gens sont joyeux de vivre dans cette situation. Ils sont joyeux d'avoir Sassou comme un tyran, comme un dictateur, comme un tueur. Ça doit aller vite. Citer, signer la pétition. Signer la pétition. Signer la pétition, c'est très facile. Il suffit que tu aies seulement un email. Hein? Tu cliques sur le lien de la pétition. Tu mets ton nom, tu mets ton email. Et tu pars, tu signes. Tu vas choisir l'option partager. C'est fini. C'est parti. Et tu partages à un autre ami. On doit créer un fil, on peut le dire comme ça, un lien, une bande qui ne pourra jamais se casser, une chaîne en continu. Et tu signes, tu partages, tu signes, tu partages, tu signes, tu emmènes chez les amis, tu expliques, on signe, signons la pétition. Il faut qu'on nous devons collecter les 500 000 ensemble avec vous. C'est un référendum. Si tu n'as jamais aimé ta souffrance, tu n'as jamais aimé du fait que tu es un chômeur, parce que là on a eu des jeunes de plus de 26 ans qui nous disent « Grand, je n'ai jamais travaillé. Maman, je n'ai jamais travaillé. » Si tu n'as jamais trouvé de l'emploi au sud du Congo, signe la pétition. Si tu as des enfants, tu n'arrives pas à s'occuper de tes enfants, signe la pétition. Si tu es malade, tu ne peux pas te soigner, signe la pétition. Si tu es un chauffeur de bus tout le temps, tu es emmerdé, signe la pétition. Signez la pétition. Expliquez aux chauffeurs de bus, aux conducteurs de gros véhicules, ils doivent signer la pétition. Les mamans qui vont dans les marchés, les mamans dans les quartiers, dans les églises, nous appelons ici de mobiliser, parce que c'est le moment que même l'église catholique, qui est venue faire un peu le cinéma au début de tripatouillage des élections de Sassou, de demander à leurs fidèles d'aller signer la pétition, parce qu'il s'agit ici de préserver les populations au sud du Congo, de préserver les terres, de préserver les ressources naturelles du sud du Congo et de construire le sud du Congo. Oui, chers amis. Donc, mes très chers amis, je ne vais pas rester très longtemps parce que j'en ai fait un direct quasiment de plus de 3 heures tout à l'heure avec le frère Edim. Moi, c'était nécessaire que moi je fasse aussi ce direct pour encore expliquer à tous ces amis-là qui disent « Bon, mais l'Union africaine a validé Sassou. » Donc, que devez-vous faire? J'ai dit, mais ça, c'est l'Union africaine que vous avez vue, c'est tous sont des francs-maçons, les membres de la loge. Tous sont venus. Ils sont venus au nom de la loge. Ça, c'est la loge, hein? Peut-être leur grande loge de France qui les a tous délégués pour venir sauvegarder Sassou. Parce qu'on sait la condition actuelle, la condition. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de vote au Congo, qu'il a tué Kolela Parfagui, qu'il a assassiné Kolela Parfagui, tout le monde le sait. Et jusque-là, il n'est même pas encore enterré. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il n'a même pas respecté sa propre constitution, dont l'article 70 de sa propre constitution. Tout le monde le sait. Donc, il est illégitime et illégal. En fonction de quoi? Ceux-là qui se disent véritablement chef d'État dans son pays, investi par son peuple, peut venir accompagner quelqu'un qu'on sait qu'il a fraudé, qui n'a même pas respecté sa propre constitution, quelqu'un qui on sait que c'est un tueur, c'est un criminel, c'est un assassin. En fonction de quoi on va venir assister un gars qui a mis toute une entité en banqueroute économique avec zéro perspective de sortie. En fonction de quoi? Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois que il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu.
voyez? Donc c'est là où on vous dit que la jeunesse africaine a affaire à des sorciers, parce que leur loge, c'est de la sorcellerie pure. C'est là où on avale le sang, c'est là où on boit. Tous ces gens-là sont venus à Brazzaville, c'est pour quoi faire? C'est pour boire le sang. C'est pour boire le sang. Ils viennent boire le sang Congo. Des gens qu'on a, des jeunes qu'on a arrêtés dans les ruelles, qu'on a décapité les têtes, qui viennent boire le sang pour prétendre de dominer aussi leur peuple. Ouais, chers amis. C'est clair, parce que si vous êtes un responsable politique, chef d'État dans ton pays, tu ne peux pas accompagner un mouron, un criminel, un dictateur, un bon à rien comme Sassou pour venir t'asseoir en train d'assister quelqu'un où tu sais au fond de toi qui n'a jamais été voté. Mais ça, il faut être malade, il faut avoir un degré de raisonnement machiavélique. Mais tous, ils sont dans la loge, c'est normal. C'est de cette façon que l'Europe leur a dit. Donc, éventuellement, les pays francophones, là, gérés par la communauté, allez-y sauvegarder le gars pour le soutenir au sein même de son propre parti, pour que son peuple voie que l'Union africaine est là. Nous, on n'a rien à cirer de l'Union africaine. On n'a rien à cirer à l'Union africaine. Parce que notre libération, ce n'est pas l'Union africaine qui vient de le faire. C'est nous, le peuple du Congo. Hein? C'est nous, le peuple du sud du Congo, qui doivent se battre pour chasser les occupants. Donc, en signant la pétition, ça va nous permettre de chasser les occupants sur nos terres. Les occupants sont des forces étrangères qui sont venues occuper le sud du Congo pour nous tuer, pour nous manipuler, pour éventuellement piller nos ressources naturelles et vendre nos terres, comme déjà ils l'ont dit dans leur projet, les plans Moebara, pour que nous continuions de demeurer à l'extérieur du Congo et que nous serons désormais des étrangers sur nos terres. Alors ça, nous disons non. Je vais rapidement wrap up en Moukoutouba. Mutindu beto mekutuba yao na ndinga ya bao ba mindele ya bantu ya Pompidou beto kena kutuba mpe na beno beto mume kukwiza awa na kukwiza kukatula mwa ntembe mwa luvunu ina ba bantu mingi meba na kukotisa ba mkwa kosobake na kukotisa samuti na kososa na kulosa mukanda ina betume tuna na njile mundele ina betume bukula lomputu petition ina betume kulomba na beno na kusinye yao na kutula binyemo ya beno na yao kutula kinyemo kile hiki yeko vana kaka na mutindu address email baki tubaina lomputu ntangu betuko filisa nge mwa liye ina ngeke kunyema kaka kuna yeko tula nkumbu ya nge yeko tula email ya nge yeke me filisa email ya kile ve diambu ya mpasi ya kile diambu ya fieti kwani ina beno ke kusala kusinye petition ina mukanda ina betume kutula yake kupesa beto louve na kubasisa bambulumbulu ya isi ya nzenza ya baba mboshi na bantu ya Pompidou baina ambe kutula kabetu na kati ya bumputu kuna na suda ya Kongo beno zaba ti beto babana ya beno utalaka diambu ya edupi ntama beto metu bati fo beto kuvutuka na nzila na ntango ina ba mkoko ya beto kutulaga kinyemu na kupesa ba ntoto na ba mindele kasi ba mkoko ya beto ntango ba salaka yao ya vandaka ve na kupesa bao yao ti bao ba kutatama na kuyiba ke bao ba kutatama na kufwa beto ke bao ba kupesa yao na bantu ya isi ya nzenza e bantu ya isi ya nzenza kuvanda mtuinu ba mbolo mbolo na kutalisa beto mpasi kuna nasule yako bako pesa kaya osamuti na ntangu ina mindele kutuba na bao ti o beto ke kutunga wa balupitalu kevanda balikole kevanda babisalu ya mutindu na mutindu ke kuvanda bana ya beno mitekole ya beno baina nyose ke kuputama na nzila ya beno beto ke kupesa bao luzingu ya mbote babisalu kevanda nyakala balupitalu balikole banzila ba kompani ke kuvana ya mutindu na mutindu beto ke kutunga yao mutindu babwale ya beto mindele ke ya kutunga ma awa ni mutindu batu wana ba ni kuna batata ya beto tulaka ba binyamo ya bao kansi bantu ya Pompidou me wuna bao me kuna kubaka bantu ya isi ya nzenza ina waka bugula ba mboshi kwa tkaka na mambanza ya kaka ya ntama na kuna tabao kuna ni bao kene ya bilumbu ya hii tupi nkadia mpemba mfumu ya bao bandi ya bao pa kutulaka kuna kina kufuwa beto mutindu bibulu kuyiba bimvuwa mayina mkwalu lendo
Nzambi mpungu kuza kutula isi ya ndoto. A Congo kutulaka, ina nitulaka nge mwana ya suda ya Congo. Tala bimvwama munu Nzambi ya lulendo mekutula kuna na kati ya ndoto. Ina ya nge, yake mutindu di jardin ya nge. Baka yao salila yao dikisa mwana ya nge Congo. Baka yao sale yao kulisa mwana ya nge. Baka yao tunga babisalu, tunga balupitalu, tunga babinzila. Bimvwa mayai yake mbusina mweko pesa beno, samu beno kungengisa bandutu yae munu mkwa lulondo mweko pesa beno. Yake ni mutindo na batata na kansi baba mboshi mweko kuiza kuna na babantu ya baba falanse kufuwa beto mutindo bibulu, mutindo ba mbende, mutindo ba nswini, mutindo maseke. Bake na kufuwa beto mutindo ba nkumbi, talisa beto mpasi samuti bao kubaka bimvwa mayena, kutekisa yao, kupesa ya mingi na bao, mendele ya pampidu, beto kaka mwaki, bao mwesike kubaka kitimu ya mutindu, yai, abeto nakuzwa kima, aseki, mpya, singe meku zonza, alenge, kingandi, nzila ya ndiambu, mfuilulu meku kota, nakati ya nge, makanda mebanda bitilu, manyongo, mbasi ya mutindu na mutindu, maboko meku mamutindu yai na zula ya bayintu, kaka mpasi na mpasi. Bame kuzungdila beto kilele ya tombe, batata na mama kena kufwa, mutindu kaka bansusu, bimbevo kena kubula haba lopitalu, abeto na kuzwa asiki mpya. Nzila, mekuma ya kufuta, ya ijambu ya ngitukulu, beto kena kutala. Nzile ya mashini, vani kupesa beto bisalu, ina mwana ni mwana na suda ya Kongo, ntwenya mama ndumba, vani kusala mwamu mbungu, ayande na kusala mbungu diaka siki mpya. Nzile ya mashinu baba mboshi mekwiza kukanga. Ina bangkoko ya beto vani kutala mpasi mingi mekufa na kutunga nzile ya mashini ina. Bamboshi mekwiza kukanga. Samu na mayela ya babu vanakati bakwiza kutula beto mutindu babola bamputu ya babu. Antuenya ina kena kuyenga yenga na suda ya Kongo ba mpasi kena kunoka. Baba mboshi kena kukula bao mtango nyonso. Bana ya bakento bakana kusala bao bifu ya imbi ya bukento na bubakala. Bandumba ya kaka bakana kufua mutindu mama mirei bazonzela kuna nankai. Pe mama Kleoba Fujinsoni kuna nakati ya Brazzaville. Mpasi na mpasi na beto bana ya suda. Banzila ya beto bentara tango mvula ke kunoka kuna nakati ya maluango. Maluango nyonso mekuma nakati ya maza. Na kati ya dolizi, dolizi na kati ya maza, ya idiambu vitu vani kutala TTV, ina beto mekukula na wa, na buwala, ina bangkoko ya beto vani kufanda penda babuwala, ina pamboshi mekuzwa busina ya beto nyonso, mbongo mekuma na kati ya baposi ya bao ya kufuluka, beto kaka mpasi, beto kena kudila, anakuzwa lusalusu, asiki mpya, bidilu manyongo, beto kena kulomba, Nzambi kulumuka. Yai Nzambi metubati o, mayela ndwenga muku tulaka ya unakati ya bana ya beno, bika babana ya beno kusala, munu mkwa luleno muku pesa baba mayela na ndwenga baba ke kusala. Nikuna betu kena kusala, betu metubati ve, diambu yai nina kutatamana mutindu yai ve. Betu mekutuba, kinyemo ya betu, ya bangkoko ya betu na baba antu ya pampidu, i meni, pampangi ya luango meku sala yao na lumbu ya 7 juan 2020, beto na kati ya mbanza ya lupul, buenza nyari la lukumu, mekusala ya na kilumu ya makumi zole na mosi, na ngonde ya tatu ya mvula ya ibeto kele. Pantoto nyonso tu ya suda ya Kongo, mekukota na kati ya kimpuanza na mukanda ya mundele. Ina mebikana beto na kutala yao ya kimona meso. Kasi na kutala ya na kimona meso, mekuna beto mekukwiza na nzila ya mukanda ya beto metula na kuloma na beno kutula kinyemu. Samni yao kepesa beto luve na kutambula, kukonkota ba mwelo, kusosa ba mpangi na kusalisa beto na kubingisa ba mbulubuni na kena kutula beto na kati ya mpasi. Nina beto na kusala. Kasi mingi me kutela mba kena kutuba ati, oh, si beno kusinye mkanda beno na kupesa kifumu na pongi. Baki kupesa ka mtu kimfumu, si beno mkupesa ve mtu ina mbongo, beno kupesa ve mtu ina inzo, beno kupesa ve mtu ina bimvua manyonso. Na mba tata na mama beno kukota na nzila ina ve,
Ya ikele diambu ya kutala ndandu ya beto nyonso. Ndandu ya beto nyonso. Kuna na na suda ya Kongo. Ya ikele diambu ya ndandu ya ngena munu. Ya mbangi ya munu. Ya mama ya munu. Ya mkoko ya munu. Ya beto nyonso. Ya ikele ve diambu ya kutala kaka ndandu ya nge. Ya ikele diambu ya kutala ve kaka mwa kivumu ya nge. Ila ke mutindu mwa nsuinimos to diseke to ndeke. Ya ikele diambu ya kutala ndandu ya banda nyonso ya suda ya Kongo. Na kutala ndandu ya bana ya suda ya Kongo, ntima ya beto ya imbi kutula na kibende ya kaka, kunata, ngolo, na kusosa kutunga na kintwali. Kuna na luango beto kela bampangi ya kukuba, mutindu bamfumu ya luango ya zole, ina kutela maka, dopi ntama beto kena kusala na bao. Tata zinga ya ntete makosu ya tanu, beto kena kusala kintwali. Ni kuna beto kena kutala ti, beto kena kukwena na ntwala. Beto mekuza kumena na nzila ya luango ludima, Kinkala na kuvutula nzile ya bunkoko na kimpuanza ina betume ufilisa na bao ba mendele na kulomba ti nyamuenda mina kusalaka imeni. Tangu batata na ba mama betuko na kulomba na beno kusinye petition. Beno kuzaba ti mutindu ba ntoto ina kia kusalama ya vana ntoto ya beto na suda ya kongonto ya zulu. Ya kena ba bantu ba babitini zoli ya ba bantu kena kunuana. Yawa na bampangi na bakimvuka, kimvuka ya baina. Kikubumbaka kimfumu ya baba mindele. Samu baba mindele kutatamana na kuiza kuyiba bimvuama ya beto. Baba mindele kutatamana kubumba bambulumbulu ya baba mboshi. Baba mindele inakena kutatamana na kutekisa bantoto ya beto na kuluta na manima ya baba mboshi. Inakili tini ya ntete. Yakili naki tini ya kaka. Ya kukuba, ya beto bana ya suda ya Kongo, baina kena kunwana na kutula inza ya nene ya suda ya Kongo. Ina kimfumu kekuvanda jaka vena mtu, mosi, kimfumu kekuvanda na kati ya babwala ina, babwala ya nene. Ni mtu ino beti kena kusalaya. Ya kukuvanda jaka veti, beno nyosu kekuna kubula maboku na mtu mosi. Beno nyosu kekuvanda na inba inzo ya beno na kizizi ya mtu mosi vyo, na kimuntu mosi. Ina kekusalama jia uve, ayawu na kusalama majaka, astiki mpia samuti mtu mosi ina kiki mfumu kukubana na mtu mosi, yake na kunata hiki kukabwala beto, yake na kunata hiki bidilu, yake na kunata hiki kunwana beto na beto, yake na kunata ntima ya imbi kinkeni ya bampangi, nina kena kusalama. Ina beto metuba tifo beto ukwiza na mayela, na wapi mutindu babantu ya beto na suda kikuvana kintoa ya keleti kupesa kimfumu na kasi ya kizunga na kizunga. Na kizunga ya banza ya lupulu, pampange lupulu kikuvana kintoa di kikusola baina kikukamba yao. Na luvunga ya buenza pe ni mutindu na bagi kusala. Bagi usosa bantu kikukamba bao, kukamba kizunga ina. Na lukumpe kikusala mutindu ina. Na kati ya lunyari pe, bagi kukutana, bagi kudulomba banzile ya bavoti, banani ke kukamba kizunga ina. Kuna na malu wangu. Ni mutindu ya peke kusalama. Kizunga ni kizunga ni kizunga. Ke kusola mwaba bantu ndambu kansi zole tatu. Ni baina ke kukwena na zulu na kulakisa kizunga ya bau na inza ya mvimba. Sima kubaka mwaba bantu ndambu na kati ya kizunga ya pulu, ya labuenza, ya lonyari, ya lalukumu na lukwilu. Mwaki mfuka ya fieti jaka mekuma na zulu ni ya mfumu ya baina kina kukambaka babizunga. Mwaki mfuka ina mekuma ya zulu ni baki kuma ke kulakisa babizunga na baisi ya nzenza. Si jambu kile na babwala isi ya nzenza ni bao kejidika baki kukwiza kuzonza na mfumu ya bao na kacha babizunga eba mfumu ya kutuma na babantu ya bwala. Yake ni mutini na batata na babamu. Yake kufana jaka vye mtu mosi ke kubaka mbimvuwa manyoso. Ke kubaka batoma bilu nyoso, toba mumpepe nyoso ya buwala. Yake mutindu inave. Mutindu betu na kutala mutindu ba mwosi kena kusala. Ina kena kusala tiinsi kena kukuenda ve. Bantu kena kulemana na kuzwa bisalu ya mbote samu na jambu. Ya samu mayu ya mekukota, mjimi mekukota, kinkeni mekukota, ya mekuma jambu ya imbi. Yonkufo betu kukuiza na mutindu ya kaka ya kusala politiki. Samu ti bantu ya esi ya nzenza. Yena kuza daka kuyiba bimvuama na kati ya kizunga ya ngeve. Samba mfumu ya beno kekuna. Beno mpeke kuna. Si beno wana kutala bimvuama ya beno. Kena kusalisa beno ve. Beno ke kutelmina niba mfumu ya babizunga ya beno. Ni mutindu na ya kele batata. Yonk batata na mama ya kele veti beno me kupesa veti ki mfumu. Tangu beno ke kutula kinyemo. Ina ke kaka mambu ya kidikidi. Mambu ya buzoba. Mambu ina ke kuvutula beto daka na manima. Ya ikele ntangu ya kukwena na ntwala. Beno nyonsu bentula kinyemo.
ngentwenya kisikanisika ngekele ni yae mekuma ni kisalu ya nge ya bilumbu nyonsa ngevumuka na suka singe bana na mwa singa ya mundele baka tubaka telefoni ya mundele ngeke nata na mama ina kevana kana kisika yange tona kartia yange ngeme kusalia na dress ngeme la kisa ya mutinu ngeme kusala ngeme kusalia yani yao ngeme mama yame kusinye yake vana mutinu ndo beto kuona na nswalo nswalo nyonso sama beto kuzwa bima nyonso ya pesa beto luve beto kutala wape mutinu ba mboshi ke kuiza diaka kutelmina beto na minduki kufuwa beto na suda ya Kongo beto ke kubingisa bao ni mutindu ina matono na nguilu ya mbote muka nisati muke vana mingi ve nzambi kusalisa batata ya beto kusalisa beto ke kutatamana na ukuma koko konditadi koko konditadi koko konditadi haa batata na mama koko konditadi ya kere jambu ya kukuba jambu ya ngolo beno yufulana batata ya beto ya fovri nyari mpa batata ya dolizi kutubila beno jambu ya koko kondita li kile jambu ya iki mingi kena kutala yao kaka kima ya mpamba ya kile na kutelama na kimpeve ya kuvanda mtu wa kukuba na kati ya kimpeve na kunuanina bandoto ya suda ya Kongo ni kuna ba mpeve ya batata ya beto kukwiza kintuaji nange kukwenda nange na ntuala beto kile kaka banzila kena kunuana kunata suda ya Kongo basaya na kati ya mpasi batata ya beto kusajisa bao mea umiwaka kifuwa nini ya kilemba nzau beto ke babi lemba nzau kansi beto zabati kilemba nzau ke kubenda nzau nzau ke kubwa beto kufilisa bangu ina katika kana mbanza Kongo ina kujia bao uzimana ve tula kinyemo yange na petition ina ni nzila ya beto nyonsu ya mpulusu ya lusalusu nzila ina kunata beto na kibende ya kaka na muzingu yae betu kena kunuana pika nzambi kusadisa bankoko kusadisa matondo mingi na ngwilu ya mbote matondo mingi na baina nyosu kena kusamila pesamu na betu taka na blumu kukwiza abuo pia c'est notre pays à nous tous on peut pas prendre seulement les gens le même parti et les autres mais y a une chose que je veux vous parler une chose le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait deux mandats. Pourquoi lui, il veut prendre trois? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait deux mandats. Pourquoi lui, il veut prendre trois? Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Kabila. Moi et le colonel Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement, et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Thank you.
Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais? Guerriers contre les sudistes? Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mbouchi. L'avenir d'Mbouchi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mbouchi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mbouchi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mbouchi. C'est comme si l'Mbouchi était maltraité, menacé. L'Mbouchi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mbouchi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir d'Mbouchi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord et surtout pas les Mbouchi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est les Mbouchi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Barangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir? Notre avenir à nous, le peuple du Sud. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, c'est. Je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée, la façon dont la milice Mbouchi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mbouchi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires, l'équipe de Kunta Mandi, Martin Abdoulaye Miskine, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mbouchi. Moi, je suis Mouéné. Vous êtes aussi Mouéné. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les sagaies et les rapières. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo, c'est-à-dire que faire que l'ethnie Mbouchi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand programme, projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre. L'unité du Sud est là pour, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'état constitutionnel. Plus de 70 ans, on est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous, vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information?
D'abord, partant du premier, vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui? En 2016. Franck. 2000. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième. Voilà, Nyangambola était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon, écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche non, sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous le lui avez dit quand? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. En avril, peut-être qu'en avril, mai. Hein? Peut-être qu'en avril, mai, avant que, aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Mm-hmm. Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambola, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.